En partageant le bien, mes chers frères et sœurs, partageons Bipé, tout le monde, on va parler de tout. Hein. Moi, je ne dis pas que je parle de tout, pas camerounaise. Je suis camerounais. Je ne parle de tout sur la toile. Les sujets de la toile, je parle de tout. Tout ce qui se passe sur la toile, je parle. Donc, j'ai enfilé ma casquette de. blogueuse. Donc, je parle de tout ce qui se passe sur la toile. Je ne suis pas bamlékée. Je suis camerounaise. Donc, je suis camerounaise. Je donne mon point de vue de tout ce qui se passe sur la toile. Donc, je suis une bosailleuse. Je donne mon point de vue sur un grand frère qui a bosa. Et on va parler du passage, on va discuter le passage de pipi chez mamie Nyanga. C'est tout. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Bipé, tout le monde, monde de partage. On me sent en train de partager. Je partage. Partageons le direct, mes gens. Partageons le direct, mes gens. Partageons le direct. Partagez le live. Partagez. Envoyez les cœurs. Maman, c'est comme ça qu'on peut en faire ici. Bientôt, la page Nicole Bio sera opérationnelle. Nous allons rentrer dans notre page principale. La page où il y a bien à discuter. Nous allons rentrer là-bas. Bientôt, dans une semaine, on rentre sur la page principale. Donc, partageons les gens. Bipez tout le monde, envoyez les cœurs. Partagez le direct et envoyez les cœurs, mes gens. Partagez le live, envoyez les cœurs. Donc, j'ai essayé de partager. Je vais partager dans les Messenger. Partagez, Bipez tout le monde. Nicole Kecharo se passe ce qui se passe sur la toile. Donc, arrêtez de dire que Nicole, c'est quand il s'agit d'un bout ailleurs, je donne mon point de vue. On donne le point de vue et puis on passe dessus. On parle de pipi. On doit parler de pipi, son entrée chez mamie Nyanga, son interview. On va parler de pipi, donc on savait que pipi c'est quelqu'un que elle est plus ma cible, mais quand il s'agit d'elle, il doit quand même donner des conseils. Parce qu'elle en aime. Pipi en aime. Alors, elle arrête de dire que oh, c'est les coups bas, madame, c'est la madame la sénatrice, c'est les coups bas, les clashs. On va sortir tous les remèmes de pipi. Les remèmes de clash de pipi. Bipé tout le monde. Parce que pipi dit que c'est les clashs. Pipi a dit devant la sénatrice que oh, c'est les coups bas, c'est les clashs. Et tout et tout. Donc on va sortir les remèmes de pipi. D'où est clashé. Donc, il ne faut pas qu'elle vienne faire semblant comme si. Comme si elle a provoqué ses mains. Maman, c'est bien passé un bonjour, maman, c'est bonjour. Comment maman, comment tu vas, tu vas bien? Partagez les gens, partagez le là, c'est que la page de Nicole Kecharo, la page et la fille va rentrer de luxe, ils sont en train d'attaquer ma page. Merci beaucoup, Doumbé, Elise, partagez le direct, envoyez les cœurs, partagez le live, envoyez les cœurs, on va parler de tout, Nicole Kecharo, j'ai enfilé ma casquette de blogueuse, on va parler de tout sur la toile. Mireille, bonjour, partagez le direct, taguez tout le monde. Target pour moi, on va parler de tout ce qui se passe sur la toile. Maman Hortense, bonjour. Merci Nini. Ah, mon grand frère Christian de Monaco, elle vient jouer à la victime. Merci. Partagez le dit, on va parler du Boza. Parce que le grand frère, tonton Sylvain, c'est un Bozailleur. Parce que quand j'ai écouté ma c'est un gars qui a Boza. Je lui ai donné mon conseil en tant qu'une petite soeur qui a Boza. Donc, je donne mon conseil à tonton Sylvain. En passant. Mais on est là pour parler de pipi. Parce qu'on va, mais on va écouter ce que pipi a dit. Parce qu'on va écouter ce que pipi a dit devant la devant la grande dame Mami Nyanga. On va écouter ce que pipi a dit devant la grande dame Mami Nyanga. Parce que pipi est allé donner l'interview à une grande dame, à une sénatrice qui s'est battue où elle est aujourd'hui. Elle n'a pas collé son image ni à pipi, ni à Ngoy. Mais aujourd'hui, Pipi dit que ce sont les coups bas, c'est les clashs. Donc, Pipi oublie. On va sortir tous les remèmes de Pipi parce que j'ai eu le temps d'aller, de prendre tous les remèmes parce que toute la semaine, il n'y a pas le temps. C'est pour ça que tu dis que je suis en train de préparer parce que bientôt, c'est dans les réseaux sociaux, c'est que c'est la rentrée. Donc, moi-même, je vais m'occuper. Donc, je profite maintenant pour parler de ça. Donc, on va sortir les remèmes de Pipi.
Parce que Pipi a dit que c'est les plages, c'est les coups bas et tout. Donc, pour dire entre guillemets que ce sont les, c'est nous, les détracteurs. Donc, nous, les détracteurs qui la clashons pour rien. Donc, ça veut dire qu'elle ne fait, elle ne fait jamais rien. Donc, les gens viennent déposer les caméras, on insulte pour rien. Vous voyez comment quelqu'un est nul. Quelqu'un est nul dans la vie. Parce que tu as vu celle-là, on l'appelle comment là, sur l'attitude, la fille là, on l'appelle comment là, tu as vu celle-là, sur l'attitude, fait la TV. Tu as aussi fait la TV parce que tu as les longs yeux. Tu as les longs yeux, tu n'es pas posé. Pipi, je vais te parler en tant que petite soeur. Tu n'es pas posé dans ta télévision. Une web TV. Il fallait aller à l'école. Tu devais partir à l'école. Tu n'es pas allé à l'école. Tu penses que tu vas venir faire ta web TV. C'est le quartier, c'est le Congo, ça, c'est la jalousie, c'est le tribaliste, tu vois. Toute personne, va, là je m'en prends l'exemple de Soule de Paris. Soule de Paris n'a pas voulu coller son image à toi. Soule de Paris n'a pas voulu coller son image à toi. Parce que quoi? Tu clashes Aïcha Sol, voilà, merci Mireille, merci c'est gentil. Aïcha Sol, tu insultes les gens, tu insultes les parties intimes des femmes. Je vais te mettre la vidéo où tu as insulté les parties intimes de la veuve joyeuse. Tu as insulté une maman. Donc, c'est un peu ça. Partageons le bien. Merci, Sorel. Merci, maman. Merci, Marcel Barret. Merci beaucoup. Partageons le bien, mes chers frères et sœurs. Partageons, vous savez que les gens s'y aiment. Après, moi, du coup. Partageons le là, mes gens. Partagez mes gens, partageons, c'est grave. Le signalement de ça. Partagez. Donc, on va parler. Ne dites pas que oh, Nicole Kecha sort dans ça. Je sors dans quoi? Je suis une blogueuse. Donc les gens vont parler, moi je ne parle pas aussi. Je suis une blogueuse. Donc les gens vont vous aussi venir parler, moi je ne parle pas. Moi je parle. Envoyez les cœurs, mes gens. Ils sont en une connexion lente. Enfin, ils sont en train de dire que connexion là un peu. C'est pour dire que oh, ils ont déjà signalé. C'est pour ils ont en train de dire que connexion là. Oui, connexion là, vous avez dit quoi? Hein? Arrêtez de signaler mes directs, les gens. Voilà, c'est ça. Arrêtez de signaler mes lives. Rayonnante, merci beaucoup. Partageons, mes gens. Partagez, good life. Merci jusqu'à Tayam Sœur. Tayam Sengoy t'a fait le Tayam Sengoy t'a fait le reproche. Elle t'a fait le reproche. Hein? Goy t'a fait le reproche. Tu comprends? Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Hein? Elle t'a quand même soutenu, Pipi. Elle t'a quand même soutenu. Ta Yamson Goy t'a quand même soutenu. Hein? Tu as menti, ces abeilles. Que non, l'accueil de Ngoy dans ta chaîne de télévision sera le grand frère. Ce serait l'entrée triomphale. Ils ont mis le PayPal 5000 euros. Tu as escroqué le PayPal. Ils ont mis le PayPal partagé, maman. Ils ont mis le PayPal 5000 euros. Tu as escroqué le PayPal. Tu as préféré aller prendre cet argent-là pour aller acheter le banzizi au Cameroun. Partagez le lien, mes chers et soeurs. Vous pensez mon quota. Partagez, mes gens. Partagez. Partagez le live. Partagez. Aujourd'hui, là, ça va que barder. Aujourd'hui, on va se dire les vérités. Aujourd'hui, là, les vérités vont se dire. Quand une chose vient sur la toile, on parle. Il faut que tu aies donné ton point de vue. Donc, partagez le direct, mes chers et sœurs. Tu es belle. Waouh, merci. Très bien, bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Maman, c'est un couturier italien qui m'a cousu la petite tenue. Sinon, merci beaucoup. J'ai acheté le tissu. J'ai acheté le tissu là-bas au marché. Ici en Italie. Je suis allé voir un couturier là. J'ai vu le modèle, dans le modèle, c'était sur Facebook. J'ai demandé s'il peut. Là aussi, fait sa pose comme ça. Donc, c'est ça.
Donc partagez, oh, partagez mes gens, partagez. Partagez. Ça va chauffer aujourd'hui. Chloé, Chloé m'a fait merci. Bon, merci pour les cœurs. Partagez mes gens. Bombardez, maman. Je sais que le style te va bien. Merci, maman, autant. Merci beaucoup. Merci. Ah, on fait comment? On s'habille, on a pour foutre la galère. On s'habille comme ça. Partagez les gens. J'ai mis les commentaires ici. Partagez. Partagez. Allez, sans, on n'a plus, besoin de dire qu'on attend que. Wow, wow. Pardon, partagez. C'est venu grave. Maintenant, on signale les pas et les gens. Maintenant, jusqu'à c'est même plus bon. Partagez. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Partagez-moi et lisez les commentaires. C'est bloqué, c'est mort. Partagez, on va parler. Bon, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça, c'est ça, le bracelet. On va commencer à jouer. Ouais, non. Je vends. Donc, celui qui est intéressé, je vends 10 à 70 euros. Donc, celui qui est intéressé, il y a toujours des couleurs. Donc, quand tu as ton ami, quand tu as l'habit vert, tu peux marier avec le jasmin. Donc, comme j'ai porté ça, le kaki, j'ai pris cette couleur. Donc, c'est un peu ça. Donc, celui qui est intéressé, tant pis. C'est des petits fantaisies comme ça. Et vous, non, des petits fantaisies. Ouais, les fantaisies comme ça. Partagez mes gens, partagez, partagez mes mamans, partagez, partagez, du coup que j'ai là, partagez mes gens, partagez, moi il y a ici, hein. Les mauvais commentaires, balèze moi, ils bloquent, wow. Les mauvais commentaires, balèze moi, allez, bloquez, on bloque, wow. C'est ça qu'il s'agit, partagez mes mamans, partagez. Ouais, que partagez le live, mes gens. Partagez. Ah ouais, les cœurs de ça. C'est cuisant, ouais, les cœurs. Les cœurs de ça. Merci, partagez mes gens, envoyez les cœurs, partagez mes mamans, partagez. Partagez le cinéma et partagez le direct des gens. Faut partager. On va parler du beaux-arts. On va parler du beaux-arts, on va parler de ce qui se passe sur la toile. Je suis une blogueuse, donne mon point de vue. On donne le point de vue sans. Je ne veux parler de personne. Donc, il n'y a pas qu'on dit que Nicole, pourquoi tu as. Non. Je parle du beau parce que moi-même je suis une beaux-arteuse. Quand je vois un sujet qui concerne le beaux-art, qui concerne mes frères beaux-arteurs, en plus, tonton Simon est passé par l'Italie. Donc il est passé par l'Italie, il est passé par la Turquie. Quand tu passes par la Turquie, ça veut dire qu'il est passé par la Libye. Voilà. Et quand tu es un beaux-arteur, il n'a pas fauté dans la vie. Un beaux-arteur sait ce qu'il est venu faire au front. Un beaux-arteur ne doit pas s'amuser. Voilà. Un beau-zère, sinon c'est Kaolo, c'est papier. Il n'y a pas l'amour en aventure. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas l'amour en aventure. En aventure, l'amour n'existait pas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partageons le direct. On va d'abord parler de ça. On va seulement passer dessus. Après, maintenant, on vient parler de la cible normale, de pipi. Que sa petite soeur là, elle est dans le mariage des gens. Sa petite soeur rêve une bida, tu es dans le mariage des gens. C'est toi qui dis que non. C'est toi qui mets teneur de couteau avec le mariage, tonton, c'est pour dire que non. Tu as dit qu'en 2024, tu vas l'enlever à maman Pépé. Tu vas l'enlever pour donner à Tatiana, que tu as dit. Maintenant, ta grande soeur qui est partie au Cameroun là-bas, elle était incapable. On lui a dit que interview, fais l'interview. Parler à dépasser, même poser les questions. Elle a compris que ce n'est pas le cas. C'est un peu Facebook. Que c'est la réalité. Maman,
Le 12 novembre, comment? Elle a compris. Elle a compris que ce n'est pas Facebook. Que c'est la réalité. Quand vous dites aller à l'école, vous dites que non. Vous créez un barata. Puisque la personne est pas. C'est Mamie Nyanga qui commence à l'intervenir. On va écouter ce que Mamie Nyanga a dit à Pipi. On va écouter. Parce que partager. Et sans faire 5 minutes, dès qu'elle sort, elle prend le livre de quelqu'un. Une personne que toi, tu as eu la lumière. Tu as été publié par ton Miata Yamoussa avec qui tu es aujourd'hui. Elle a mis le couteau comme ça. Pop! Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a donné une petite visite. Dieu t'a donné une petite lumière. Comme tu n'as pas resté dans la lumière, oh la jalousie, oh les coups bas, oh ceci, le clash, la jalousie, tout et tout. Tu as insulté, dénigré les mamans ici là. La stamanie est partie. Tu n'as rien profité de ça. Même là, tu n'as même pas appris la leçon, Pipi. Rien. Appris la leçon, tu n'as pas appris la leçon. Rien. C'est toi qui au Cameroun, tu te pavanes. Tu te pavanes. Après, tu as dit que les gens sont les irresponsables. Après ta petite soeur va rester là-bas, dit que oh, Ngonjan, oh, maman Pépé, oh, ceci. Pipi, une femme irresponsable qui ne sait même pas où sa fille dort. Sa fille est tantôt elle est ici sur la fille qui a pété 20 euros à Reims. Tantôt là-bas, l'enfant dort dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons à Reims, sa fille dort un peu. Elle, par exemple, elle est au Cameroun, c'est pas mal. Elle part chez Moussou, le charismatique, pour coller son image. Ne t'a même pas fait le buzz. Rien. Moussou, nickel, Moussou, le charismatique, il n'a même pas mis sur sa page de 1 million d'abonnés. Rien. Tu peux faire la publicité gratuite. De qui vous considère, tu es derrière les poches d'une femme pour manger l'argent. Pendant que les femmes sont en train de manger derrière les poches des hommes, toi, Pipi, tu manges derrière les poches d'une femme. Tu es sur Facebook, je suis belle. Il faut aussi voir les Pipi manières qui sont là à t'encourager dans la bêtise. Donc tu as raté dans Facebook. Moi, au lieu que qui est appétit sur Pipi, bipez-moi les Pipi manières. Je vais dire les vérités. Vous avez encore une team. Il y a encore les pipi manières. Est-ce que les pipi manières existent encore? Je ne suis plus sûr qu'ils existent. La team l'était depuis que Pipi est devenu le gérant des abeilles. Et dit que Pipi, bipez-moi au loco. C'est moi au loco qui va te parler aujourd'hui. Pipi, au loco va te parler aujourd'hui. En tant que sa petite, en tant que ta petite soeur, je vais te parler aujourd'hui. Que tu as raté ta starmania. Tu as perdu, tu n'as rien gagné dans Facebook. Rien. Tu es devenu élan. Les gens sont en train d'accuser que non, que Ngoy a fini. Elle a rien, elle t'a quand même aidé. Elle t'a aidé, Pipi, elle t'a aidé. Je suis pas. Elle t'a aidé. Ce n'est pas qu'elle est passée dans ta tête de télévision que c'est elle qui va aller prendre les gens derrière pour te donner. Non. C'est Isabelle, tu étais sale, tu as mis la cagnotte comme tu es une ancienne coyote. Tu as fait le dehors. Tu as dit que non, donnons ce donnon. Que nous ne voyons pas passer comme ça, tu ne gagnes pas. Tu as mis la cagnotte. Tu as trompé ses fans. Tu as dit que non, tu vas faire une entrée triomphale. On va faire waouh. Tu es parti payer un petit ruban de 1 euro pour. Il n'y avait rien de beau. C'était touffu. Et la chaleur, rien. C'était pareil. Au lieu de prendre le reste, au lieu de prendre l'argent là, tu vas te former. Tu peux faire une belle formation pour apprendre la TV web, pour être journaliste, pour interviewer les gens. Non. Comme toi, tu aimes que la main tombe du ciel, tu aimes rester comme ça, que l'argent vienne. Non. Jamais de la vie. Ça ne peut pas venir comme ça. Il y a des gens qui travaillent dur. Mamie Nyanga, à qui tu es partie pour la voir au Cameroun, elle a travaillé dur, elle a bossé dur. Elle est passée dans toutes les chaînes du Cameroun. Pour parler de son projet, pour parler de son livre, c'était devant vous. Elle a collé son image à personne. Elle n'a pas demandé à une blogueuse que faites-moi la publicité. Non! Parce qu'elle était sudée. Malgré qu'elle n'avait pas les vues, malgré qu'on ne la connaissait pas, mais elle passait dans les chaînes de télévision. Tu sais combien de fois elle passait dans Diamond. Tu sais combien elle est passée dans Equinon. Tu sais combien elle est passée à STV, les petites chaînes qu'on ne regardait pas. Elle est passée même chez Dinali. LTM. Elle est passée partout. Tu étais là, Pipi. Tu étais là. Tu as demandé à Mamie Nyanga que Mamie Nyanga, pardon, s'il te plaît, viens te faire la publicité gratuite. Non. Comme tu as vu que Mamie Nyanga,
La grande dame, la tata là, elle a déjà une place au soleil. Tu veux maintenant venir coller ta poisse à elle. Dieu t'a mordu. Tu étais incapable de nous poser les questions. Je vais dire qu'on va écouter ce que tu as dit là-bas. Et je vais dire à mamie Nyanga que je vais montrer tes vidéos de clash. Comment tu insultais les gens. Comment on te prend de ton temps pour aller te former. Tu te permets à insulter les gens, à insulter les parties intimes des mamans, à dénigrer les femmes quand tu n'es rien. Tu te mets, tu parles de couple de Salomon Tchak et son mari Pipi. Tu dis que quoi? Toi, tu as fait comme papa Fodia Pipi. Pipi, tu as fait comment elle papa Fodia? Hein? Tu avais dit ça, tu vas préparer le coquille, tu vas mettre le poison, il va manger comme il aime bien le coquille là. Une femme comme toi, un homme qui a pris ta nièce, qui a pris ta nièce le Kama, il dit que tu es devenu zéro, tu es jalouse, tu as un homme qui a élevé ta nièce. Si Luz Gourier aujourd'hui, elle a passé le seul peu, sa cause n'a pas fini, tu aimes le temps, tu te pavanais dans les Nganda avec les Pao, avec tout ça, tous ces hommes avec qui tu sortais, qui ne veut même plus coller leur image à toi. Moi-même, tu as dit ceci. Quand tu étais papa Fodia, quand tu partais niasse dehors, tu venais, tu pleurais. Tu te rendais compte que tu n'aimes pas ce monsieur, mais comme il aime ta nièce, aujourd'hui, tu es quoi? Tu es quoi, Pipi? Tous ces hommes avec qui tu as niasse pour délivrer papa Fodia, puisqu'on t'a attaché. Jusqu'à tu as régné, papa Fodia, dans, on a vu les enrichissements, on a vu, il y a ça ici. Comment le monsieur disait que tu régnes l'homme avec qui tu vis, tu dis que tu régnes papa Fodia. Parce que tu étais en plein niasse. En plein niasse. Pendant que papa Fodia a fait élever ta propre nièce. C'était son merci. Le merci de papa Fodia. Que tu vas mettre le coquille, tu vas mettre le poison. La vidéo, elle est moi. La vidéo. Il dit que Pipi. Tant que tu ne demandes pas pardon à ce monsieur, papa Fodia, ta vie est niant. Tu vas tourner, tu vas errer comme un mauvais esprit. Tu travailles, regarde-toi, tu n'as même pas 2 ans de Kaolo. Tu es parti renouveler tes. On t'a donné combien? On t'a donné le récépissé. Tu es au Cameroun, une personne qui paye 100 ans en Europe, 100 ans, qui marche avec le récépissé de 1 an au pays. Et c'est pas vrai. Donc, de tout. Avec tous les gens de niasse que tu as eu dans tout le monde entier, c'est le Cameroun qui est ton dernier virage. Le Cameroun qui est ton dernier virage, Pipi. Tu sais qu'il faut la voir comment elle fait le poste pour dire qu'il n'y a pas d'amour. Toi-même, tu es resté, papa Fodia. Tu as apporté quoi, papa Fodia? Pipi, tu as apporté quoi, ce monsieur? Heureusement, papa Fodia travaille. Il a un contrat de travail. C'est ça qui a permis que ce monsieur, au moins, il a une sécurité en France. Toi, tu as quoi? Pipi, toi, tu as quoi? As-tu préparé ta retraite, Pipi? Tu as préparé une retraite. Tu n'as pas préparé la retraite. Hein? Tu sais, bientôt là, ta peau lâche même des gens. Tu as déjà 58 ans. Tu vas beau régner ton âge, Pipi. Pipi, les filles, ta copine avec que tu as fréquenté, elle est à Yaoundé, elle est commissaire à Yaoundé. Quand elle était surtout ici, bon maillé, l'année dernière, elle m'a contacté. Ta copine, elle est une grand cadre, elle a dit que tu manques, que tu as 58 ans, Pipi. Tu vas nier les 45 ans que tu mets là, c'est le folklore, c'est l'âge de combat. C'est l'âge de combat, Pipi. Tu as 58 ans, tu vas bonnier l'âge. Enlève le make-up, maman. Pipi, enlève le make-up, on voit. Tu ne peux pas enlever le make-up. Pipi, viens dire aux gens, quand tu niasses avec les gens, tu éteins la lumière. Est-ce que je mens? Quand tu niasses avec la lumière, tu éteins la lumière. Si tu n'éteins pas la lumière, on va avoir une bombe, il dit ici. La carte ici commence ici. Ici, parce que tes cheveux sont roulés comme le caca de la chair. Tu ne peux pas faire les tresses. Tes cheveux sont roulés comme le caca de la chair. Tu peux le caca de la chair, non, ça que tes cheveux sont roulés. Mais on ne peut pas te faire les tresses derrière. Mais tu as pas les cheveux, tu as le crâne nu. Et tu as la carte ici. Ici, c'est tout est vide. Donc, c'est un peu de partager le bien des gens. Du coup, on est entré dans tout le vide du sujet. Partagez en fond de la scie. Vous signalez pourquoi? Ça ne monte même pas. Vous signalez pourquoi? Hein? Laissez-moi les framponner. Laissez les framponner. Nicole est là pour framponner. Moi, on voit les médias pour me dire qu'elle ne parle pas. Elle va m'amuser. Quand Nicole ne parle pas de ça.
m'envoie un message pour me dire que Nicole ne parle pas de ça. Pourquoi me dit qu'il ne parle pas de ça? Pourquoi me dit qu'il ne parle pas de ça? Pourquoi on ne sait pas comment il parle de ça, les gens? Vous ne savez pas comment il parle de ça? Laissez-moi parler. C'est pas vous, laissez-moi parler de mon sujet. On va parler de ça, hein? Mon frère, je suis une bosailleuse. Quand il y a un sujet qui vient sur la toile, Nicole, que tu as le droit de parler. J'ai le droit, le devoir et l'obligation de parler. Donc, si vous ne voulez pas parler, vous ne devez pas parler de ça, hein? Je sais, non, je connais, non. On va entrer dans le vif du sujet de ma mignonne. Maman, par contre, ça, maman, j'ai bien peur. Hein. Oh. Et puis, maman, elle m'en rentre, maman. Vous avez vu? Le thé à amincissant, bientôt le thé sera opérationnel. Elle m'en rentre. N'oubliez pas de télécharger l'application de TapTapSense. Elle m'en rentre. Je suis en train de boire un thé amincissant, là. Ça vient des États-Unis. Une tata là qui veut, elle commence à vendre son thé. Elle m'a dit, si le thé, elle commence ma première semaine. Vous avez mon ventre, non? Alors, vous avez vu, ici, comme il y avait les boules ici, quand ça était fini. Vous avez vu, non? Bientôt, le corps serait plat. Voilà, le thé là. Spécial thé. Donc, parce que vous. Spécial thé. Vous avez vu, spécial thé. Le thé arrive. À grand-mère, wow. Le thé de ça, la beauté de ça, maman, qui va se négliger. Et c'est tu es au Saint-Pénic, vous allez voir que je vais arracher un milliardaire ici sur Facebook. Vous allez voir comment il va arracher un milliardaire ici là sur Meta. Vous allez voir, continuez à m'insulter. Vous les abeilles, vous les pipimania là. Vous allez voir qu'il va arracher un milliardaire ici sur Meta. Vous allez voir. Donc, partageons mes gens, partageons. Laissez Nicole Kecha tranquille, laissez ma paille tranquille. Laissez partager, envoyez les cœurs. Et vous signalez pourquoi. Laissez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça monte, on ne sait pas où ça part. Ça monte, ça descend. Pourquoi vous signalez, on me dit qu'on est sur l'âme, pourquoi vous signalez le direct de Nicole? Laissez mon live tranquille. Voilà, c'est tout ce qu'il s'agit. Laissez mon live framponne. Wow. C'est tout. Je parle. Comment vous me faites pas parler? Il va parler de ça. Il doit parler de ça. C'est un sujet sur la toile. Non. Je parle. Quand c'est un beau, il parle. Je dois parler, mais je ne prononce pas les noms parce que moi. Et pas la force. Donc, c'est un sujet sur la toile. On doit parler de tout. C'est un peu ça. Comme ça ne va pas monter là, moi, on va commencer à se fatiguer. On va commencer comme c'est un sujet sur la toile. On va commencer. Hein. Donc, c'est un peu ça. Dans la vie, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Ouais, ouais. Donc, c'est un sujet sur la toile. On va parler. On ne parle pas pourquoi. On va parler de ça. On parle. Et ça aide un beau d'ailleurs. Quoi que tu parles, donc je connais pas les apprentis saint, je connais pas tout, mais comme c'est moi, je suis une petite fille que je mangeais beaucoup ça. Je suis passé par la Libye. Donc bonsoir tout le monde, on va commencer parce que les gens sont en train de signaler, donc ça ne monte même pas, ça ne descend pas, ça c'est là, donc c'est un peu ça. Bon. Donc moi je suis une petite, moi je suis une quoi que tu as. Moi tu quelque chose de tout ici Facebook, comme moi je suis une bosseuse. Je n'ai jamais moi menti. Moi tu dis moi la vérité. Ouais non. Les gens m'ont pris tel que je suis. Voilà. Moi je suis une bosseuse. Moi j'ai une bosse. Je suis passé par la voilà. Quand ils voient un sujet d'un grand frère qui a pris le bosse comme moi je me dis que quand quelqu'un qui bosse, qui a souffert en lui, qui a traversé le désert, qui a traversé la Méditerranée, parce que ce n'est pas facile. Nous qui avons Boza, tu ne peux pas venir en gros, tu blagues. Non. Tu sais ce que tu es venu faire. Moi, je suis arrivé en gros. Pas la grave. Je suis venu. Tu veux dire que je suis arrivé en Italie en 2018. J'ai des copines qui me disent que quand tu arrives en Italie,
La première des choses, il y a des gens qui arrivent en Italie, qui fuient l'Italie pour aller dans notre pays sans mettre les empreintes. Quand tu arrives, c'est l'ignorance que beaucoup de gens font. Quand tu arrives en Italie, la première des choses que tu arrives, parce que c'est le premier pays d'accueil. Même quand tu arrives en Espagne, c'est le premier pays d'accueil, il faut toujours mettre les empreintes. C'est ça le plus important. Quand tu mets les empreintes en Italie, soit en Espagne, ça permet que tu es venu par le beau, tu es venu en tant qu'immigrant. Maintenant, quand tu mets tes empreintes et que on t'envoie dans un campo, quand tu quittes là-bas, tu peux partir par exemple en France, en Allemagne, ou soit partir au Luxembourg, partout les pays où tu vas partir. Si ça ne donne pas là-bas, si tu dis que non, ils ne peuvent pas t'accepter, ils vont te renvoyer dans ton pays d'accueil, qui est quoi? L'Italie ou l'Espagne. Parce que tu as mis les empreintes là-bas. C'est ça qui fait ta sécurité. Maintenant, si tu n'as pas mis les empreintes ni en Italie, ni en Espagne, ils ne te connaissent pas. Qui te connaît? Tu ne connais pas comment? Et quand tu es dans un autre pays, soit en France, soit en Suisse, soit en Allemagne, soit partout pour demander de l'asile. Quand ils vont arriver, ils vont regarder. Tu n'as pas mis les... Ils vont te poser la question. Comment tu as fait pour arriver? Quand même tu es venu par en Italie, on ne saura pas. Ce serait difficile pour toi. Ils vont se dire, tu es venu perdre avec les faux papiers de quelqu'un. Ils ne sauront pas que tu es venu par en tant qu'immigrant. Ce serait pas sûr. Ils peuvent te renvoyer au Cameroun. C'est ça qui fait que beaucoup de beaux-ailleurs ignorent. Vous qui nous regardez là, vous les beaux-ailleurs qui êtes encore au Maroc, en Tunisie, quand vous arrivez en Italie, soit en Espagne, la première des choses, il faut mettre vos empreintes. C'est le plus important. C'est ça qui est votre garantie. Ben, c'est votre pays d'accueil. Ce sont eux qui vont vous couvrir. Maintenant, quand tu pars et ça ne donne pas, tu vas rentrer encore en Italie. Pour aller dans ton campo, tu vas les expliquer ce qui va se passer. Ils vont encore te récupérer. Mais l'essentiel, c'est que quand tu mets les empreintes. Mais comme j'ai écouté un direct, on m'a dit que le grand frère n'avait pas mis les empreintes. C'est pas normal. C'est ça qui cause un peu de ce qui se passe avec lui maintenant. Mais moi, quand je suis arrivé en Italie, j'ai posé mes empreintes. J'ai amené que mes copines m'appelaient, l'autre m'appelle de l'Allemagne, l'autre m'appelle de la Suisse, l'autre m'appelle de la France, que Nicole, il faut venir, tout et tout. Mais il y a une amie qui vit en Suisse, que je n'oublierai jamais cette fille. Elle m'a donné un conseil. Que Nicole, nous tous, parmi notre groupe, nous avons accouché. Ça ne sert à rien. Que tu vas marcher de pays en pays. Commence entre toi, en Italie, tu cherches ton enfant. Le conseil qu'elle m'avait donné. Et j'ai suivi ce conseil à la lettre. Je suis entrée en Italie. J'ai rencontré le père de ma fille en juin, le 23 juin 2018. Parce que je suis entrée en 2018. J'ai rencontré le père de ma fille en 2018. Le 23 juin 2018, j'ai conçu ma fille, je suis tombée enceinte de mari au roi. Le 1er décembre 2019, j'ai accouché ma fille. Le 3 décembre 2019, j'ai eu mes papiers. Donc, vous les beaux ailleurs, vous qui arrivez en Italie, vous qui arrivez en Espagne, parce que vous voulez courir pour aller, par exemple, à la Tour Eiffel, parce que vous voulez courir pour aller en Suisse, parce que vous voulez courir pour aller chercher l'argent, parce que vous voulez courir pour aller ceci. L'argent ne fuit pas. L'essentiel, c'est que vous trouvez une stabilité pour votre vie. L'essentiel, c'est que vous trouvez ce que vous pouvez faire. Regardez-moi maintenant. Je peux partir partout avec le papier que moi j'ai dans l'Union européenne sans avoir de soucis. Si par exemple, je change de pays, je pars par exemple dans un autre pays, soit aux Pays-Bas, soit en Suède, dans les pays européens. Si ça ne donne pas là-bas, je vais rentrer carrément me caser ici parce que j'ai écrit mon nom. Écrit mon nom pourquoi? Parce que j'ai accouché mon enfant ici, parce que ma fille est italienne. J'ai mis mon autographe ici que je ne peux jamais me débarrasser, même si je n'ai pas n'importe quel pays, parce que ma fille est ici. Je serai là, même si je n'ai pas d'un pays, ça ne donne pas, je vais toujours rentrer ici. Et ça, je suis en train de dire à mon grand frère, c'est bon que vous avez beau ça, vous avez su faire. Et quand j'écoute votre histoire, tomber amoureux est important. Mais quand vous avez une personne, 7 ans de vie avec vous, qui ne parvient pas à vous donner les papiers, et quand vous découvrez que cette personne ne peut pas vous donner les papiers, arrêtez d'être égoïste.
Arrêtez que cette personne soit égoïste avec vous. Parce que tout le monde se tait. On est tous derrière les gens pour quelque chose. Arrêtons. Tu parles que tu vas sortir avec une femme parce que tu l'aimes, parce que tu l'aimes. Mais si tu aimes la femme là, parce que tu avais la femme, parce que elle peut t'appeler la maison, soit payer le loyer. Tu ne peux pas être avec une femme parce qu'elle était elle était là. Tu as dit que non, tu aimes la femme. Non, nous tous. Si tu as fait l'enfant avec cette fille, parce que tu penses qu'elle avait elle peut te donner les papiers. Jusqu'à présent, elle ne t'a pas donné. Ça ne sert à rien. Donc, c'est pour dire à mon grand frère Sylvain que dans la vie, si quelqu'un, si tu avais une personne qui ne peut pas vous donner les papiers, ça ne sert à rien. Parce que les papiers, c'est la clé. Ici en Europe, même si on m'a dit quoi, tu peux avoir la maison, tu peux avoir de l'argent. Il y a des gens ici qui ont de l'argent, mais qui n'est pas venu par envoyer de l'argent avec leur propre nom. Tu es condamné. Il y a des gens qui ne peuvent pas envoyer de l'argent avec leur nom. Et pour que tu envoies par quelqu'un, ce n'est pas normal. Il y a des gens ici qui n'ont pas le téléphone international, qui utilisent encore, qui utilisent encore les papiers des gens pour avoir le téléphone. Là, son téléphone, ce n'est pas son nom qui est l'intérêt sur le nom d'une personne. Donc, c'est ça que je suis en train de dire à mon grand frère Sylvain. L'amour est bien. Mais quand vous êtes un broussailleur, parce que le broussailleur a souffert au désert, a souffert en Méditerranée. La Méditerranée, là, qu'on traverse là, les gens meurent. Quand le Seigneur te permet de traverser cette Méditerranée et que tu te retrouves en Italie, parce que Dieu a beaucoup de choses, Dieu sait que tu as encore beaucoup d'avenir devant toi. Mon grand frère Simon, je t'aime besoin comme moi. Les papiers sont importants. Ça ne sert à rien de rester avec quelqu'un qui peut vous donner les papiers. Parce que prenons en renverse. Si vous étiez que c'est vous qui êtes à sa place, que elle, cette dame n'avait pas les papiers, elle ne pourrait pas rester avec vous. Laissons compte que l'amour, ici en Europe, il n'y a pas l'amour. L'amour, c'est en Europe, c'est les intérêts. L'amour, le vrai amour, c'est au Cameroun, c'est en Afrique. Parce qu'ici en Europe, l'amour, c'est les intérêts. Même si tu rencontres un homme que tu veux tomber amoureux, non. Tu l'as rencontré, oui, tu es amoureux, mais tu sais que non, c'est elle, tu es amoureux parce qu'il peut me donner quelque chose, il peut me rentabiliser quelque chose. Il faut arrêter. Donc, si c'était elle, elle ne pourrait pas rester avec parce qu'elle va dire non. L'amour, c'est les intérêts. Chers grands frères, cherchez à voir vos carreaux. Parce que vous êtes un broussailleur de 2016. Vous êtes un broussailleur. Je ne sais pas quelle année vous arrivez. Vous êtes arrivé en Italie. Vous êtes un broussailleur. Mettez en tête que vous êtes un broussailleur. Un broussailleur se doit l'effort de réussir. Un broussailleur se doit l'effort d'avoir ses papiers. Pour être l'exemple, la lumière des autres frères qui arrivent ici, qui ont broussa comme nous. Parce que nous devons être leur exemple. Nous ne pouvons pas venir en tant que broussailleur que Dieu nous a permis de venir ici. On arrive, on blague. On va parler, on va raconter l'histoire de broussa. Tu vas venir raconter que toi, tu as reçu quoi en Europe? As-tu pourquoi? Tu as les papiers? Non. Tu n'as pas les papiers parce que c'est les papiers qui te permettent de voyager, d'aller au Cameroun. Moi, je n'ai pas allé au Cameroun aujourd'hui parce que j'ai mes papiers. Je ne vais pas aller partout parce que j'ai mes papiers. Mes papiers ne sont pas comme pour d'autres personnes qui sont les demandeurs d'asile. Non. Parce que mes papiers, c'est dans mon groupe familial avec le père de ma fille. Donc, c'est différent. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas mélanger la autre histoire. C'est pour dire à mon grand frère, tonton Sylvain, que chercher à voir des papiers, c'est le plus important en tant que broussailleur. C'est pour ça que je suis venu vous parler en tant que votre petite soeur. Parce que moi-même, j'ai broussa comme fou. Et quand j'écoute votre histoire, que vous êtes un broussailleur, ça me fait mal. Et je voudrais que vous sortez dans ça, que vous cherchez à voir vos papiers, ce qui est important pour un broussailleur. Parce qu'un broussailleur, c'est l'avenir déterminé. Parce qu'un broussailleur, quand il arrive en Europe, il doit donc il vient réussir. Si vous ne pouvez pas venir tant que Dieu vous a permis d'entrer en Europe, vous arrivez, vous commencez à plaquer parce que vos petits frères arrivent. Nous devons entrer l'exemple
de notre Mosaïque qui vient. Tu vas parler fort à une Mosaïque qui vient d'arriver. Il va te poser la question, tu es Mosaïque, tu es les parcs, tu as dit que non, il va dire que tu ne sais rien, il va pas écouter ce que tu dis. Mais moi, je peux faire direct parce que beaucoup de gens me demandent de commencer à faire des tirs pour parler de Mosaïque. Le temps arrivera. Je vais commencer à faire des émissions de Mosaïque parce que je ne suis pas encore prête. Parce que maintenant, je suis prête à parler de Mosaïque. Parce que je suis l'exemple d'une Mosaïque. Je suis l'exemple d'une Mosaïque sur la toile. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout ce que je t'en ai dit. On va passer dessus. J'espère que mon grand frère, tonton Sylvain, il a compris mon conseil. Grand frère, cherchez à voir vos papiers. C'est le plus important. Arrêtez que ce soit l'amour. L'amour ne fuit pas. Non. L'amour ne fuit pas. Si aujourd'hui, on vous rapatrie, vous marchez en route comme ça, comme maintenant l'Europe est devenue difficile maintenant, mais vous maintenant les Européens, maintenant je sais comment ils vont faire pour rapatrier les Noirs. Si aujourd'hui, tonton Sylvain, on vous rapatrie, je vous dis la compagne avec qui vous êtes aujourd'hui là, elle n'a pas fait deux jours, elle aura un autre homme dans sa vie, parce qu'elle ne pourra pas venir au Cameroun. Elle a cassé les ambassades, elle a détruit les choses. Donc c'est vous qui êtes insensé. Vous n'êtes pas en sécurité auprès d'elle. Vous n'êtes pas en sécurité auprès d'elle. Parce que si vous marchez dans la rue et que peut-être il y a un voleur, vous marchez, la malchance arrive, la police vous demande les papiers, vous n'avez pas les papiers, vous avez fait comment? On prend, on vous met dans la vie, vous partez. C'est vous qui avez perdu toute une année. Le désert, la Libye, la Tunisie, l'eau dans l'eau. Vous avez tout perdu en moins d'une journée. Donc, réfléchissez-y. Parce qu'elle-même là, ne va pas vous attendre. Le même jour, elle va chercher quelqu'un qui va dormir avec elle. Parce qu'ici en Europe, toutes ces femmes-là ne peuvent pas faire 5 ans, 2 ans, 3 mois, 3 ans, 2 ans sans dormir avec eux. Avec un homme. Pour eux, s'il n'y a pas l'homme à côté d'eux, c'est comme si c'était le. Comme s'il avait pris le manga. Donc, c'est tout ce qui est dessus. C'est le conseil d'une petite soeur qui a bon ans, qui vient parler à son grand frère, tonton Sylvain. Ne regarde pas ce que les bordels, les pipis, les conneries des bindas qui vont vous enclamer dans la bête. Ce sont les gens qui ont raté leur vie. Ils ne savent pas pourquoi ils sont en Europe. Ils n'ont même pas les papiers. Donc, pour eux là, ce sont les gens qui ont perdu, les gens qui ont fréquenté, ils ont eu le bac au Cameroun et ils arrivent en Allemagne en tant qu'une femme à Watt. Le Watt prend le crédit, elle signe sans avoir lu. Elle est au Campo, même les papiers, elle n'a pas. Elle est sur Facebook, en train d'insulter les gens tous les jours. Elle insulte une femme qui a ses papiers, qui vit une vie stable depuis en bain, mais parce qu'elle est jalouse, sa grande soeur qui est pipi, même chose. Elle n'a même pas les papiers. Donc, tonton Sylvain, n'écoute pas ce que les gens disent sur la terre qui vont vous encourager. Vous êtes des Mosaïques. Vous avez le droit de rester. Cherchez à avoir vos papiers. L'amour doit venir après. L'amour doit venir après. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire, grand frère. J'espère que vous allez écouter mon conseil. Donc, on va passer dessus. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Partageons le live. On va entrer dans le vif du sujet. On va parler de pipi. On va parler de pipi. Voilà. Partageons le direct. On va parler de pipi. Pipi, vous savez que pipi, c'est quelqu'un comme moi. Ouais. Bipé les pipi mania. Parce que moi, je donnais comme ça à pipi maman. C'est pas le clash. Et pipi mania. Vous savez que nous, on est une famille. On a tellement clashé. Vous avez pipé ma famille. Vous avez insulté Isaacam. Oh, Boum Keda. Oh, Isaacam. Oh, ceci. Oh, la Bozaïe. Oh, ceci. Mais finalement, Isaacam nous a montré que je dépasse votre patron. Je dépasse votre patron. Isaacam dépasse votre patron. J'accepte mon nom, Emma. Oh, Ima Sida. Oh, Isaacam, ma ceci. Je dépasse même votre patron. Vous avez vu, non?
Quand votre patron est au Cameroun, on ne connaît pas la compagnie auquel a pris elle. On ne connaît pas la compagnie où pipi fuit. Elle nous attend, c'est qu'elle arrive à Charles de Gaulle, voici Charles de Gaulle, qu'elle vous dit qu'elle a Charles de Gaulle. On ne sait même pas si où pipi est passé au. Ou pipi pas au Cameroun, elle est pas fait. Les gens, on ne connaît pas. Parce que maman n'a pas la kaolo. Bon, on va pas biper les pipi mania. Ouais, mes frères, mais maman, ma famille, les pipi mania. On a fait ça dur. Vous n'existez pas encore, les pipi mania. Vous n'existez encore. Je ne sais pas si vous n'existez encore. Maman, on va décrypter le lien des pipi. Parce qu'elle dit que non, elle fait ça dans la page de la reine, mais elle dit que non. C'est même ça qui me fait sourire que non. Je vais venir parler de pipi. Parce que pipi. Hein? Non. Non, pipi. Comment tu peux saquer un goy? Comment tu peux mettre un goy? Quand tu dis qu'on est Kouba, donc c'est un goy qui t'a mis, donc goy te donne, et t'as donné le Kouba. Hein? J'ai dit ici que la paix des pipi est avec. J'ai dit que la paix des pipi avec un goy là. Hein? La paix, tu vas mettre long. Hein? Parce que pipi. Pipi, c'est quand même. Elle n'aime pas travailler, oh maman. Elle n'aime. C'est une tellement. C'est une manipulatrice. Elle a mis un goy, elle la légende. Parce que c'est mettre la légende. Les abeilles, comme les abeilles aiment qu'on encourage leur reine, mais ils aiment qu'on donne les zoloches. Pipi a donné les zoloches que la légende, ça a pris les abeilles. Les abeilles ont coûté 5000 euros. Pipi a pris la légende, elle est partie Nyama. Elle a fait quoi avec rien. On va écouter ce que Pipi a dit à la sénatrice, sa maman. Pipi, oh maman. Pipi. Je t'avais fait quoi, ma mère? Je t'avais fait quoi? Il t'avait fait quoi? Il m'a clash. Il dit qu'il veut finir avec toi. Et c'est si. Écoutons, bataillons le dire, maman. Écoutons, elle rit. Il y a comment elle est habillée. On va partir. On va mettre sur moi. Regardez. On va partir peut-être. Mm-hmm. Quelques minutes encore avec le sénateur. Deux mm-hmm. minutes. Vous écoutez pour répondre à vos questions. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas poser des questions. Vous posez vos questions. Il y a la sénatrice. Légère. Allez. Une villageoise. On va rester tous les petits. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Donc, quand vous arrivez là-bas, là, vous trouvez une personne qui s'est battue seule. Vous êtes en euros, vous avez fréquenté. Vous n'avez pas le temps de fréquenter. On continue, c'est ça. Regardez pipi, regardez pipi. Pourquoi vous signalez mon live, non? Vous signalez pourquoi? J'ai même pas recommencé. J'ai même pas encore commencé. Vous commencez à signaler mon direct. La page a commencé à signaler. Mon, tu vois, non? Elle n'est même pas encore montée à 100. On monte, on descend, on monte. Ça fait comme ça, ça zizaille comme ça. Là. Ça zizaille. Parce que vous ne voulez pas que les gens font les directs. Vous ne voulez pas que les gens parlent. C'est comme ça.
n'avez même pas honte. C'est vous ce que on n'a pas le droit d'écouter. J'ai insulté quelqu'un depuis. J'ai insulté ici. Pourquoi vous signalez mon live? Il vous doit quelque chose. Hein? Hein? On a dit qu'on achète les vues comme vous. Je n'achète pas moi les vues. Pourquoi vous signalez mon direct? Je dois décrypter ça. Je dois montrer à la sénatrice qui est l'élément pipi. Qui est vraiment cette tisseuse. Écoutons. Chacun d'entre nous, la terre dormir, c'est ici. Voilà. Il y a tout cela. Les blancs vont aussi bientôt mourir en mer profonde parce qu'ils n'aimeront la terre pour nous. Parce qu'on voyait les blancs, ils ont déjà atteint ce qu'on appelle la serpente en mathématiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à faire. C'est pour ça qu'ils ont la mer. Les jeux. C'est ça que maintenant, c'est les jeux. Et la spéculation. Parce que les jeux, ils sont confus, les animaux sont confus, les tout sont confus. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Ils s'ennuient, ils font le coup. Ils s'ennuient. Alors, imaginez, pour que le Cameroun ou l'Afrique, et si aujourd'hui nous avons voté par exemple une loi désormais, on va plus exploiter les villes. Donc on va être gentil. On travaille. Je ne peux pas oublier la famille. On va désormais transformer le bois ici. Puis le bois est donc. Vous savez, la transformation. Oui, il y a tous les Français, les Américains, les Anglais, ils vont payer pour avoir la nationalité camerounaise, ou pour avoir une autorisation pour entrer au Cameroun, pour en Afrique. Les Africains vont construire les marchés. C'est un vaste chantier. Donc, ceux qui ont se préparent, ceux qui vont avoir l'école, ils se préparent à construire les cafés. Parce qu'on a besoin de tout pour construire notre bâtiment. Parce qu'eux-mêmes, ils sont d'abord, ils ne veulent pas se mettre en règle. On dit par exemple que pour implanter un congrès, il faut par exemple lever la RGP, il faut par exemple lever la DI. Il y a combien de personnes qui lèvent la DI? Ils ne veulent pas respecter les procédures. Et quand vous respectez les procédures, c'est souvent 10 fois moins cher. D'abord en temps, en énergie, et même sur le coup. Que les Camerounais apprennent à s'informer sur les procédures. Mais parce que les gens ne s'informent pas sur les procédures. Que les gens apprennent à s'informer sur les procédures. Est-ce que vous savez par exemple que si vous arrivez comme vous avez une défense aujourd'hui, et que vous créez une entreprise aujourd'hui, l'État doit vous exempter de toutes les taxes pendant 2 ans. Non, monsieur. Elle va créer l'entreprise et qu'elle n'a pas l'argent au Sénat. Elle n'a pas l'argent pour créer l'entreprise. Souvent 10 fois moins cher, d'abord en temps, en énergie, et même sur le coût. Que les Camerounais apprennent à s'informer sur les procédures. Mais parce que les gens ne s'informent pas sur les procédures. Que les gens apprennent à s'informer sur les procédures. Est-ce que vous savez par exemple que si vous arrivez comme vous avez une défense aujourd'hui, et que vous créez une entreprise aujourd'hui, l'État doit vous exempter de toutes les taxes pendant 2 ans. Non, monsieur. Mais voilà une information. Si vous ne demandez pas, vous saurez comment. De là. Je dis par exemple, si vous créez votre entreprise, vous avez 1 an. Vous ne devez pas payer la patente, vous ne devez pas payer les impôts, vous ne payez rien. C'est un peu ça. Parce que eux-mêmes, ils sont d'abord, ils ne veulent pas se mettre en règle. On dit par exemple que pour inventer un congrès, il faut par exemple lever la RGP. Donc, tous ceux qui se préparent, ceux qui vont encore à l'école, est-ce qu'elle va aller passer à l'école alors? Est-ce qu'elle part à l'école? Hein? Toto Pipi part à l'école. On prend des questions alors. Hein. Lolo. On va repartir pour le direct. On a quelques minutes encore avec madame le sénateur. 2 minutes. Elle est incapable de poser vos questions. Pour répondre à vos questions. Madame le sénateur est là. Vous avez coupé. Vous posez vos questions rapidement. Oui. Léger, hein. Salut, l'homme, l'homme, il y a de l'eau au Canada. Avec l'amitié, la frappe. Non, parce que votre frère, votre soeur, c'est toujours même père maintenant. C'est pour ça qu'on vous approche. Et maintenant, vous-même, vous retrouvez vos parents et vos amis. Non? Et c'est ceux-là que vous retrouvez, qui sont vos frères, frères et sœurs. Non, non. Moi, je voulais voir avec les gens. Énormément de difficultés à tous les niveaux. La vie, maman, les mots. Je dis, c'est que très souvent ici, les gens viennent vous vite faire. La main petite année, quand ils viennent ici en 1 mois, ils vont tout faire, acheter le terrain, commencer la fondation. Elle est incapable. Hein.
Regarde, elle est incapable, regarde. On va partir pour le direct. On a quelques minutes encore avec madame le sénateur. Maman, la honte de ça. Pour répondre à vos questions. Madame le sénateur est là. Maman, pipi, tu es incapable de, poser les questions. Que tu as vu le bras de fait devant toi. Ce n'est pas le bracata de Facebook. Ce n'est même pas ceci. Ce n'est pas le bracata. Tu étais incapable de poser les questions à madame le sénateur. Tu étais incapable de poser les questions. Tu t'es dit que non, c'est Facebook. Tu croyais que c'est Facebook. Tu dis que c'est des clashs et tout. Les coups bas. Il n'y a jamais eu de coups bas, Pipi. Jamais. Jamais. Hein? Il n'y a jamais eu de coup bas. Jamais. Tu clashais les gens. Regarde, regarde. Regarde. Parce qu'il y en a qui sont d'abord, ils ne veulent pas se mettre en règle. Hein? Franchement, hein, tu es incapable de poser des questions à une personne. Tu dis que tu es une journaliste. Et tu dis que tu es une TV web. Les gens te montrent les bâtons dans les roues. Les bâtons dans les roues, mais tu es une clasheuse. Hein, Pipi? Tu es une clasheuse. Hein? Tu quand te mets les bâtons dans les roues avec quoi, maman? Hein? Les gens te jalousent en quoi? Il faut voir comment tu clashes, tu insultes les gens. Tu dénigres, tu détruis les familles des gens. Hein? Hein? Tu prends le temps où? Tu n'as même pas le temps pour toi-même pour te concentrer même. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent ici, Pipi. Au lieu de partir, faire une formation. Mais tu as préféré prendre cet argent partir au Cameroun avec Pugnas. Hein? Pour donner à un gigolo. Pour donner à un gigolo, Pipi. Tu comptes te mettre les bâtons dans les roues. Tu aimes quand tu as même honte même de parler même. On va sortir terminé, mais parce que moi, je ne suis même pas en train de blague. Tu as le temps. Quand tu dis quand les gens sont jaloux de toi là. Est-ce que tu as le temps même? Ton temps, c'est ton temps sur le clash. Ton temps sur le clash, Pipi. Hein? Hein? Ton temps sur le clash. Tu dis que les clashs et tout. Hein, maman? Tu sacrifies. Ta mère est malade, tu es sur tes morts. Tu n'avais pas peur que ça peut. Le karma que ça batte sur toi. Tu t'en fous. Parce que tu attends sa mort. Maman, elle n'arrivait pas à mourir. J'ai prié pour maman là. Maman, elle va vivre. Et tu vas mourir pour elle maintenant. Tu fais une semaine dehors, j'appelle le nier chez vous. J'ai dit qu'il y a une maman qui est tombée dans la maison. Je jure. Je fais ça. Je suis le chaos dans ta chaussure.
Demain. Demain. À 6 heures, je me suis debout. Demain. Je descends au fisc. Je vais te dénoncer. Si tu n'as pas coché que j'ai l'investissement en Afrique en tant que Française, mon gars se lève ici à 5h du matin, il va travailler. Une idiote. Une bande-bande appelle mon gars que machin. Alors qu'il va travailler pour compter pour les chiens comme toi qui touchent au RSA. Mais ton gars va faire le là. Pardon, il y a un signal de DSI, pardon. Il y a un petit Samuel. Il y a un santé signal de DSI. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. On appelle plus le oui, ça va. Ah. Ma belle direct, tu m'attends moi après. Tu appelles mon gars? C'est un peu ton gars. Tu as vu mon père gigolo? Lui, je regarde moi la fiche de peine. Elle voit la fiche de peine de ton père là. Hein, tu maman? Appelles mon gars gigolo. Merde. Quand mon gars pas travailler. Mon gars pas travailler pour cotiser pour toi qui touche au RSA. Tu as insulté mon gars. Il travaille pour toi. Tu vas payer les impôts là. Il va payer. Ils vont payer. Vous allez m'entendre. Le tout si tu vas lire. L'heure juste en mémoire. En langue yébé, tu vas lire. J'ai regardé, je n'ai rien dit. Et en tout cas, on te dit qu'un seul Camerounais a perdu le père de ses enfants. Les Ivoiriens bagarrent que leur frère n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est mort. Il ne s'intéresse pas. À la mère des enfants. Tu sors avec ton gros ventre que, comme a dit même Bob Giovanni, ton gros ventre que la lame est déjà passée. Les chirurgiens, on a déjà fendu. On a enlevé la graisse. Pardon. On a brûlé la graisse. On a refermé. L'ombouma est dedans. On le dit encore. On le sent. Pipi, toi même tu que tu veux quoi l'ombouma dans le ventre de l'ombouma. C'est pour ça qu'on a signé le DSI. On a signé le live. Le DSI est signalé.